J'espère que vous êtes prêts. On va faire l'échauffement tout de suite. J'espère que la musique vous plaira aussi. J'ai changé par rapport à hier, j'avais pas trop aimé. Là, c'est plutôt intéressant. Et j'espère quand même que ça vous fait plaisir, que je vous propose à chaque fois le replay en soirée. Comme ça, vous pouvez la regarder comme vous voulez. C'est un peu compliqué pour moi, je vous avouerai. Mais je pense alors. J'essaye en tout cas. On va donc commencer ce petit live par l'échauffement. On commence par où il faut commencer quand même. Allez, c'est parti. Vous pouvez aussi faire d'autres échauffements au niveau des jambes, quoi, si vous en avez besoin. Moi, j'en ai pas l'utilité, comme vous le savez, à chaque fois je vous le dis, je fais toujours du vélo avant de faire le live, du coup, j'en ai pas besoin dans les exercices pendant cette heure. Et s'il fallait à chaque fois que je fasse l'exercice en plus pour les jambes sur le live, je vous raconte pas, le live il durait 2 heures. Déjà 1 heure, c'est déjà pas mal. Alors, pour commencer cette heure de musculation, nous allons faire nos échauffements avec les petites haltères et vous avec vos petites bouteilles. Alors, on va faire les répétitions. Vous me suivez toujours par 25. De toute façon, je l'ai mis dans le chat de YouTube. Comme ça, vous, quand vous arrivez, pas besoin de poser la question. Tout est dans le commentaire. Alors, n'oubliez pas. Série 25 et repos en chiffre chaque série. C'est parti. Respecter le temps de repos. Petite info aussi, à partir des lives de vendredi, j'augmente le nombre. Au lieu de faire 25, je vais passer à 30. Je préfère vous prévenir pour que vous ne soyez pas non plus à vous dire ah, ça fait beaucoup. Je préfère vous le dire que à partir de vendredi, ce sera 30 au lieu de 25. Je dis pas à partir de demain jeudi, parce que demain jeudi c'est yoga. Du coup, on va encore rire avec toutes les positions qu'il y a. On va continuer avec toujours les petites haltères pour s'échauffer.
On va faire la position box, ma position favorite. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des lives, je vais commencer à accélérer aussi. Il y aura moins de temps de pause, plus d'exercices. C'est vrai que les premiers lives, c'était pour vous expliquer, pour qu'on puisse voir à peu près les mouvements qu'il fallait faire, et surtout pour essayer de caler tout ça en une heure. Que maintenant, je peux caler tout ça en une heure, pour ça, je vais en faire plus. Pour avoir des résultats aussi dans la longueur, parce que si c'est pour faire l'exercice autant aller courir, hein, avec des poids et faire n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour soit s'affiner si on a un bon point, soit se sculpter ou encore prendre de la masse. C'est selon à chaque fois le nombre de poids que vous allez faire, le nombre de répétitions, que vous allez avoir des résultats différents. La musique que je propose est pas mal. Si je vois que ça vous intéresse aussi, je la regarderai pour l'élève suivant. Normalement, je verrai si la paternité des droits d'auteur, je veux pas avoir problème là-dessus. Hein, merci YouTube. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, le problème qui se passait, c'est que mes traitements de vidéos de live ne marchaient pas à cause des droits d'auteur. C'est pour ça que je me retrouvais avec des vidéos d'une minute 30 à une minute 50, au lieu d'avoir mes vidéos d'une heure. Merci. Du coup, c'est selon la musique qu'on met en fait. Alors c'est soit je mets pas du tout de musique, mais alors là c'est chiant comme la mort, ou je mets de la musique et j'ai une chance sur deux de avoir des droits d'auteur. Parce qu'à chaque fois j'utilise des vidéos dites sans droits d'auteur, mais je me rends compte que finalement non, pas non, mais bon c'est pas grave. Alors on va continuer, on va faire l'échauffement des biceps. Ouais. Alors on prend les petites haltères et on fait notre série de 25. C'est parti. D'ailleurs, cet après-midi, j'en ai profité aussi pour regarder quelques vidéos de youtubeurs spécial sport. Et il y a un petit mouvement que je vais essayer à faire dans cette vidéo au niveau des haltères. Alors, si je m'en rappelle bien... Ouais, c'est ça. Ouais, faut que je m'en rappelle parce que sinon, je vais pas bien le représenter, ça va pas être bon. C'est pour travailler les muscles ici.
Apparemment, ça les travaille mieux, ce qui a été dit dans cette vidéo. On va essayer. On est là pour ça. Hein? Alors, on fait toujours cette petite pause importante entre chaque exercice pour que le muscle ne nous dise pas au bout de cette heure « Va voir ailleurs si j'y suis. Hein? » Le mouvement que je vais vous parler, je ne vais pas le faire maintenant, on va le faire tout à l'heure, il faut être en position allongée. Je préfère vous le dire. Là, on va faire la position des haltères vers le ciel en étant debout. Après cet exercice, on fera les exercices sur chaise. Voilà, maintenant que nos petits muscles sont échauffés, on va pouvoir passer en position chaise pour porter un peu plus avec les haltères de 10 kg pour ma part. Et pour vous, si vous n'avez pas, bouteille d'eau, tag vert. C'est vrai que c'est mieux d'augmenter la masse, mais si vous voulez vous affiner, il vaut mieux garder les mêmes poids. Comme ça, vous enlevez les graisses indésirables aux endroits que vous ne voulez pas. On est là aussi pour faire comme on peut. On est des amateurs. Il faut le spécifier à chaque fois. On fait du sport maison et pas du sport de club. Hein. Alors n'oubliez pas aussi de boire entre les exercices pour éliminer. Mot d'ordre, éliminer. Je vous invite à prendre votre chaise et ça va être parti pour la suite des exercices. J'espère que tout le monde a positionné sa chaise comme il le faut. On va donc être en position assise ou en aide par rapport à la chaise pour l'exercice. De toute façon, vous avez vu hier les exercices faisables sur la chaise avec les haltères. Je vous en dis pas plus, on est parti.
Voilà, n'oubliez pas, temps de repos entre chaque exercice. D'ailleurs, vous écoutez quoi de beau? Plutôt musique intéressante, mais à ce que je peux voir, il y a mon flux de live qui n'est pas très bon. Je ne sais pas si c'est dû à ma connexion Wi-Fi ou si c'est dû au problème de musique, j'en sais rien du tout. Je suis pas devin. Mais j'espère que de votre côté, la qualité est correcte. On va partir sur l'exercice de porter avec une selle halter. On va travailler les triceps et les dorsaux. C'est parti. Ça commence à picoter un peu. On sent directement quand on change de poids. On sent que ça travaille plus. Faites attention à votre dos dans cet exercice. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est important. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des quelques douleurs pas très agréables. Surtout si vous avez des scolioses ou des trucs de genre. Alors attention. Petite musique plutôt intéressante. Ça va, c'est mieux qu'hier en tout cas. De l'autre côté pour faire l'autre bras. Allez, c'est parti.
Très bien. J'espère que de votre côté tout se passe bien au niveau des exercices. Et je tenais aussi à vous signaler que les redifs de live sport, je les ferai que pendant une semaine, cette première semaine. Et après, je les proposerai plus. Après, il faudra venir. Je préfère vous l'annoncer. Que vous ne soyez pas étonné qu'il n'y ait plus de rediff de live sur ma chaîne, que vous ne m'envoyez pas des messages. Ah, pourquoi il n'y a plus de rediff? Bah, je vous dirai, il faudra venir en tailleur d'heure. Parce que je ne vais pas non plus faire des lives à des heures où vous êtes disponible. Là, c'est moi qui s'en sortirai plus. Je ne vais pas faire des sports toute la journée. Je suis pas fou, hein. Quand même. Ah, je raconte pas. Ça fait du bien. Bon, on va partir sur un autre exercice. Je suis quand même pas trop tenté de faire avec les grands haltères par contre cette fois-ci. On va s'échauffer d'abord avec les petites haltères. Et si tout se passe bien, on fera avec les grands haltères. Ce sera plus simple. On va se faire du développé de Bibi. Et on va le faire en position assise. Vous avez qu'à suivre mon exercice, ce sera plus simple que d'essayer d'expliquer quelle est la position exacte. Allez, c'est parti. Alors en effet, ça va être un peu compliqué de faire ça avec les grosses haltères. On va plutôt peut-être diminuer le nombre de séries dans ce cas-là. Mais on va toujours atterrir à 25. Mais je vais peut-être faire 10, 10 et 5 avec une pause à chaque fois. Comme ça, il n'y aura peut-être pas trop de problèmes pour vous. Parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup 25 répétitions. Je suis pas un bodybuilder, loin de là. Donc en amateur, vaut mieux y aller mollo. Ce temps de repos obligatoire, malheureusement je peux pas faire autrement. Comme on est en live, c'est pas une vidéo, on est quand même obligé de faire ce temps de repos pour éviter tout problème musculaire.
Ça a l'air pas mal la musique qui arrive là. Tu, 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 tu. C'est vrai que pour le sport, c'est pas trop ça, mais c'est agréable à écouter au moins. Ça permet de patienter. Bon, on va partir, on va essayer avec les grosses haltères. Je dis bien, on va essayer. Allez, c'est parti. Là, ça fait mal. Là, c'est lourd. Là, c'est très lourd. Là, la pause va être obligatoire. Elle est pas mal. Ah, par contre, les bébés, ils ont fait mal. Hein. Les petites haltères, elles font vraiment mal. Je suis tenté de faire l'exercice que je fais d'habitude au sol avec une seule haltère qu'on fait un mouvement de rotation de haut en bas. Donc, ça irait des genoux jusqu'au ciel cette fois-ci. Mais je ne sais pas si ça va aller. On va essayer. Parce que ça, c'est quand même un mouvement complexe qui fait travailler plusieurs muscles et qui peut être dangereux si le poids porté est trop important ou si la position n'est pas bien. Parce que c'est vrai que quand on est au sol, on a moins de pression. Du coup, on peut plus facilement se maintenir malgré les poids portés. Alors on va essayer. J'attends toujours encore un peu. Parce que sinon les courbatures demain je vais les avoir.
Désolé si vous me voyez faire ça, regardez, c'est que mon chien est en dessous et monsieur a décidé de m'embêter. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai alterné les mouvements dans le même exercice pour travailler des groupes musculaires différents et pour éviter toute déchirure musculaire, car les poids, quand ils sont lourds, il ne faut pas faire trop de portée, sinon le lendemain vous avez très mal. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait position comme ça et j'ai fait position comme ça. La plus facile, c'est celle-là, la plus difficile, c'est celle-là. Surtout à lever vers le ciel, c'est pas très recommandé, parce que là le dos travaille beaucoup et ça peut engendrer des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Donc faut vraiment y aller mollo quand on fait des exercices comme ça. L'idéal, c'est vrai, c'est de le faire sur des machines, et les machines, elles sont plus adaptées à ça. Mais quand on est amateur, qu'on ne va pas en salle comme moi, on essaie de trouver des subterfuges pour créer les mouvements avec de simples haltères. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui se passe avec le flux YouTube, là, je sais pas s'ils ont des problèmes ou quoi, mais ça fait vert, orange, vert, orange, vert, orange. Vert, orange, ça fait que ça. À mon avis, le traitement de YouTube pour la vidéo, ce sera mort pour cette fois encore. Du coup, va falloir encore que je fasse un montage. Ça va me prendre encore toute la soirée. Et je vais encore vous proposer la vidéo avant minuit. Super. Je sais que je me plains beaucoup, mais au bout de quelques fois, c'est vrai, ça devient agaçant. Je comprends pourquoi les YouTubeurs font leur live sur d'autres plateformes.
parce que YouTube vraiment n'est pas encore au point par rapport à ça, surtout au traitement des vidéos faites. Pour les flux des vidéos en live, il n'y a pas de problème. On est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour le traitement de la vidéo, pour la proposer après en replay, faut pas rêver, pas possible. C'est vrai que je parle beaucoup parce qu'au moins ça me permet aussi de faire ma pause réglementaire entre chaque exercice. En tout cas, la musique est pas mal. Ce sera sûr que je le prendrai la prochaine fois aussi, ce petit morceau. Donc attendez-vous à l'avoir vendredi. Donc demain, comme c'est yoga, vous l'aurez pas. Ce sera une musique relaxante. Pardon. Mais vendredi, vous l'aurez. Ça, il n'y a pas de souci. Je la mettrai dans mes favoris, comme ça, je ne l'oublierai pas. Donc là, on va refaire un mouvement avec les petites haltères toujours sur la chaise. Parce que là, je vois qu'il y a déjà 40 minutes, ça fait déjà 35 minutes qu'on fait l'exercice. Du coup, après le prochain exercice, on va passer aux exercices au sol. Parce que sinon, on n'aura pas le temps de les faire et ce serait dommage. Donc on va faire des petites haltères, on va faire mouvement. Envole-toi comme ça. Et après on passera aux exercices au sol, on n'aura plus besoin de la chaise par la suite. Allez, c'est parti. Alors pour le temps de repos que je vais faire, vous terminez cet exercice. Moi je vais ranger la chaise, je vais préparer la serviette et on va passer à l'exercice au sol. Au sol. Allez, je vous laisse finir, vous reposer et c'est parti pour la suite après. N'avez mal nulle part. Musique plutôt sympa en plus. Que demander de plus, hein. Donc là pour cet exercice au sol, on va refaire ce même mouvement papillon mais en allongé avec les petites haltères pour s'échauffer. Et ce va être le début de tout ce soleil. Par contre, c'est vrai que par rapport à d'habitude, YouTube c'est pas ça. Hein. Ça m'embête, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, je prépare les serviettes pour mettre les haltères sur les côtés et on va commencer l'exercice. Thank you.
Alors, tout le monde est prêt? Je descends la caméra et on va commencer. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, oui, c'est parti alors. Oui, c'est parti. Échauffement, petit repos aussi. C'est vrai que quand on est au sol, la pression artérielle augmente, du coup on se retrouve avec une tête en pastèque, une tête à tomate, une tête de légumes quoi. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez la musique sympa ou pas. Ça, je vois si je la remets la prochaine fois ou pas. Oui, pas ça va alors. Passeuse alter lourde, je me tâte parce que j'ai envie de vous faire montrer le mouvement que j'ai vu sur la vidéo que je vous ai parlé au début de live. Je vais le faire avec les petites haltères. Donc on va faire une série de 25 de ce mouvement, on va voir ce que ça donne. C'est un peu comme le mouvement que je viens de faire avant, mais sauf que les haltères vont être en rotation. On va voir si c'est contraignant ou pas le fait qu'elles soient en rotation. Bah allez, c'est parti, on est là pour essayer de toute façon. Franchement, ça a l'air plus simple. Le mouvement de rotation en plein milieu crée comme si l'haltère ne pesait rien. Il n'y a que quand elle revient vers le sol, là on ressent les douleurs ici.
à force de porter tous les jours, hein, c'est normal. C'est pour ça que moi, je vous conseille toujours de faire avec des poids pas trop lourds. Ça, moi, je suis avec des poids de 3 kg. Déjà, avec une bouteille de 2 litres, ça doit être pas mal, quoi. Donc, on va enchaîner avec les grosses haltères. Désolé si à chaque fois, si je vous regarde pas là, et que je regarde là, c'est que je regarde le chat. Je vois les messages que vous me laissez. Donc on va prendre la grosse haltère, je sais pas si je vais prendre les deux, je vais essayer, on verra. Ah, c'est le corps qui décide, c'est pas nous. Hein. Ah, il y a un petit nouveau qui vient passer. Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, moi aussi. Comme tu peux le voir, on est en live muscu. Demain, on passera en live yoga. Si tu es présent, ce serait bien. Ce sera dans l'avant, en tout cas. Donc là, comme je le disais juste avant, on va prendre les haltères les plus lourdes pour essayer des mouvements au sol. Donc si tu n'as pas d'haltère, tu prends des bouteilles d'eau. Et attention au sol, si tu as quelque chose de dur, fais comme moi, mais quelque chose en dessous. Allez, c'est parti. Respecter le temps de pause entre chaque exercice pour éviter les courbatures le lendemain. Je sais pas du tout si je vais faire d'exercice avec deux haltères au sol. J'avais fait pendant le deuxième live et comme ça fait que deux jours, je préfère pas réessayer. Faut toujours respecter un temps de pause pour certains exercices entre chaque jour. Donc là, ça fait 48 normalement demain, donc ce sera pour vendredi. Parce qu'il y a certains exercices qu'il faut éviter de faire tous les jours au risque de se faire des déchirures musculaires. Du coup, là, on va passer au mouvement qu'on vient de voir, mais en latéral, c'est-à-dire que on ramène l'haltère au ciel et on la ramène vers le bassin en gardant les bras tendus. C'est parti. Toujours faire attention avec certains exercices parce que celui-là il peut faire mal si on maintient mal l'haltère. On peut se faire des popos.
N'oubliez pas aussi de vous alterner entre chaque exercice. Moi, ma pause vous permet aussi de faire l'exercice de votre côté. Là, on va passer aux exercices d'abdominaux. Après ces 50 minutes d'exercice d'haltère debout, assis et allongé, on va passer aux exercices d'abdominaux, des abdominaux simples et les abdominaux latéraux. Série de 25 à chaque fois. Je ne vais pas revenir parler entre chaque exercice, donc je fais ma série d'abdominaux simples, je fais ma pose à terre. Latéraux, ma pose à terre, latéraux, ma pose à terre. Pour éviter de me lever à chaque fois, parce qu'après ma tête elle tourne. Au bout d'une heure d'exercice, ça tourne. Ouais. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous faites ces exercices de votre côté, regardez bien comment je fais et vous pouvez le reproduire de votre côté. Pas de soucis là-dessus. Petite série pour aujourd'hui qui fait du bien. C'est pas besoin de faire plus chaque jour. Les abdos sont dessinés déjà en dessous à la base. Ils viennent tout seuls. Vous verrez au bout de quelques semaines. C'est pour ça, il faut pas s'acharner quand même à bout, parce qu'après quand on s'acharne
et ben dès qu'on arrête, ça part. Alors que si on fait des petits exercices comme ça, et ben même si on arrête pendant une semaine ou deux, et ben après, ben, y a pas de souci, ça revient nickel. Alors, pour terminer, on va faire une série de pompes et après on passera en mode relaxation pendant 1 minute. Alors je vais faire les deux à la suite car je sens que la série de pompes va me tuer parce qu'une série de 25 ça fait mal aux fesses, mais ça devra aller et après on passera à la série de repos d'une minute. Donc je vous retrouve à la fin de tout ça. Allez. Petite séance de sport du 14-12 terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et on parle tout rapidement pour d'autres vidéos sur ma chaîne et pour le live de demain sur le yoga. Allez, salut!